Non mais je pense que tu as une mémoire fantastique pour les chansons d'avant en fait que toutes les chansons excepté les miennes. Hein. Ouais bah c'est la même chose pour moi. Même c'est les tiennes. C'est les miennes. Moi je connais les tiennes. Toi tu connais les miennes peut-être. J'en sais rien. Mais en fait le truc c'est que on a une sorte de mémoire. On connaît pas exactement les mêmes entièrement. Entièrement non mais de temps en temps je te rappelle un mot. Tu m'en rappelles un. Voilà mot. C'est ça. Alors ce qu'on devrait faire c'est qu'on devrait se chanter ensemble quelques chansons. Qu'on aime bien, qui sont bien écrites, parce qu'on les aime surtout parce qu'elles sont bien écrites. Il y en a qui étaient pas mal écrites. Bien écrites. Et puis alors, il y avait surtout une chose, c'est que ça nous rappelle une époque où on avait moins de cheveux de couleurs différentes. Moins de pâquerettes de cimetière, ça s'appelait avant des pâquerettes de cimetière, ça tout se perd, tu vois. Avant, on appelait les cheveux blancs sur les tempes des pâquerettes de cimetière. C'était joli. Ah oui, maintenant, mais ils l'ont laissé tomber, oui. Alors voyons, par exemple, il y avait les chansons... on dit maintenant que les chansons sont un petit peu risquées sur le bord, mais je trouve qu'il y en avait aussi à l'époque. Oui. Si on pense, il y en a qui étaient même franchement pas ailleurs. Oui. Si on prend des chansons que chantait... Une chanson que chantait Lynn Clevers, je ne me souviens pas qui l'avait écrite d'ailleurs, Les Mandarines. Qui a écrit ça, tu te souviens? Ça, je ne me souviens pas. C'est quelle année? Dans les années... Oh, ça doit dater le 34-35. 35, hein. 36 peut-être. Ben, je te laisse jouer. Oh, on va se rappeler les paroles un peu. L'espagnol était très prisé. Oui. Avec des gestes de gamine, elle vendait des mandarines. Et dans les rues de Buenos Aires, de sa voix claire, vous les offrez. En sa corbeille, on choisissait. Et à l'oreille, elle vous lisait. Elles vous plairont beaucoup, car elles ont la peau fine et de jolis pépins pour vous. Prenez mes mandarines et dites-moi où vous placez, à moins que ça vous chagrine, j'irai vous les éplucher. C'est à peine déguisé, hein, comme... À peine, oui. S'il y avait d'autres encore, il y avait...